m'avoir proposé de faire cette conversation à trois sur leur livre. Et merci aussi à la Maison de l'Allemagne, à la Maison Heinrich Heine, pour cette occasion de parler de cet ouvrage qui est excellent, je préfère le dire tout de suite, et qui est vraiment un apport original, et je dis original au sens où c'est un sujet que l'on ne connaissait pas ou que l'on ne connaissait pas bien, et c'est aussi un apport original du point de vue du type de travail, du type de forme, du type de méthode même qui est avancée donc par rapport à ce qu'est l'état de la recherche autour de cette question difficile, cette question même terrible d'une certaine manière, à savoir le rapport entre la musique en l'occurrence Mozart, et le nazisme, le Troisième Reich. Et cette question qui a toujours été troublante, en tout cas pour ceux qui nous sommes intéressés à ces questions, comment une musique qui est de la vie générale, il y a un consensus là-dessus, je crois, un produit, un appel, un souvenir de ce que l'être humain peut produire de meilleur, de plus beau, de plus noble, a été associé historiquement à ce que l'être humain a produit de pire. Donc c'est cette tension éthique quelque part qui est sollicitée chaque fois qu'on se pose la question musique et Troisième Reich, Mozart, nazi, il y a même un chapitre qui s'appelle comme ça, Mozart nazi, rien que de voir ces deux mots ensemble, ça produit un effet étrange, et je pense que c'est très courageux de la part de Marie-Hélène et de Cécile d'avoir osé rien qu'écrire ces deux mots ensemble pour en faire une question. Bien sûr, ce n'est pas une affirmation pour dire que Mozart était nazi, au contraire, mais c'est pour poser une question historique. Et je tiens à dire que c'est d'abord un livre d'histoire, d'histoire de la musique, bien sûr, mais d'histoire tout court, tout à fait passionnant, avec un travail de recherche extrêmement soigné, avec des sources inconnues, avec d'ailleurs, je crois que nous allons en voir quelques-unes. Donc c'est vraiment un travail qui suppose se pencher sur des matériaux nouveaux. Je crois que Marie-Hélène et Cécile ont passé pas mal de temps à Vienne, puisqu'il s'agit de quelque chose qui se passe à Vienne. Je pourrais peut-être, avant de leur laisser quand même à elles le soin de vous présenter le sujet, dire en quelques mots que lorsque je dis qu'il s'agit d'un travail original, c'est parce que ça porte sur un événement unique, un événement assez court, quelques jours seulement, une semaine donc, cette semaine Mozart qui se déroule à Vienne entre les derniers jours de novembre et les premiers jours de décembre 1941, donc en pleine guerre, on est au moment où, surtout sur le front de l'Est, les Allemands commencent à rencontrer des difficultés. Je crois que c'est une sorte de moment qui annonce un peu le tournant, mais pas tout à fait. Donc c'est un moment d'une extrême tension, et ce festival est là comme un objet étrange finalement. Alors ce n'est pas étrange si on pense que la propagande a toujours été un ressort fondamental du nazisme, et ça bien avant de la prise du pouvoir. Mais c'est étrange de penser qu'au milieu de ce monde et cette Europe complètement bouleversée par la guerre, il y a cette enclave de musique commandée, organisée, pilotée par les nazis pour mettre Mozart et sa musique au service de leur régime. Et donc Marie-Hélène et Cécile se sont penchées sur toutes ces archives pour reconstruire dans le détail, pratiquement heure par heure et mètre par mètre. Il y a un aspect de cartographie urbaine tout à fait passionnant dans leur travail. Cet événement auquel ont participé non seulement les Allemands et les Autrichiens, mais aussi les Français. Et donc l'angle qui est choisi ici, c'est la participation des Français, d'une délégation française importante à cet événement, dans le cadre de la collaboration donc entre le gouvernement de Vichy et certaines élites françaises et l'occupant, et le pouvoir nazi. Voilà, je ne voudrais pas faire le travail à leur place, et donc je passe la parole, je ne sais pas, Marie-Hélène, Cécile, pour déjà faire une première présentation du livre, à moins que nous commencions par la musique. C'est peut-être ce qu'on avait même prévu, mais je ne voudrais pas qu'on n'entende pas vos voix avant de passer à la musique. Donc, je vous propose de dire quelques mots pour
compléter la présentation du sujet. Et puis, nous pourrons écouter cet extrait. Absolument. Merci infiniment, en fait, pour cette première synthèse qui est parfaitement juste. Effectivement, notre angle est essentiellement micro-historique. Donc, on a attaqué le sujet à partir d'un événement très, très localisé, mais qui permet de soulever des enjeux beaucoup plus vastes. En fait, c'est tous ces enjeux, justement, de récupération d'un grand compositeur par un des régimes les plus barbares du 20e siècle. Effectivement, ça a impliqué un travail de source très, très important et différents types de sources qu'on avait un peu envie d'explorer ici ce soir avec vous, parce que c'est assez rare qu'on a l'occasion de faire ça, de plonger en fait dans l'atelier des historiennes d'une certaine façon et de voir comment est-ce que l'ouvrage d'histoire est né, à partir de quel type de matériaux. Et dans le cas qui nous occupe, en fait, il y a différentes catégories de matériaux. Il y a beaucoup d'écrits, évidemment, mais on a aussi des sources audio et on a des sources vidéo aussi qui a été possible de retrouver. Et on s'était dit, en fait, que ça pourrait être intéressant de commencer en écoutant justement un des extraits qui a été possible de retrouver. Ça a été extrêmement difficile à retrouver, ces extraits audio. C'est mon côté des sources, parce qu'en fait, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais Cécile et moi, nous sommes partagés le travail tout au long du processus. Et moi, mon domaine, ce sont les sources allemandes et les archives donc allemandes et autrichiennes. Et donc, retrouver les enregistrements qui ont été faits par la radio à l'époque, ça tombait dans mon champ de responsabilité. Et ça a été extrêmement difficile. J'ai fait des archives à Vienne, j'ai fait des archives en Allemagne. Et en fait, les enregistrements que j'ai fini par trouver, il y en avait quelques-unes extrêmement rares dans des obscures archives à Vienne qui exigeaient de faire un trajet assez particulier dans un champ quelque part. Et l'essentiel se trouvait à Francfort, aux archives de la radio allemande. Et donc, en fait, ce que je vous proposerais d'écouter, c'est un extrait. En fait, de musique, j'ai trouvé très, très, très peu de choses. J'ai trouvé quelques discours, mais ça, c'est un des deux extraits musicaux que j'ai réussi à retrouver. C'est des airs d'opéra qui ont été enregistrés pendant la semaine Mozart, donc de 41, probablement en répétition et non en représentation, parce que ce n'était pas possible à l'époque d'enregistrer une représentation complète. Et donc, c'est un air qui est chanté par Maria Reining, et c'est un air donc, de l'opéra Les Noces de Figaro. Vous remarquerez le titre en allemand, c'est Die Hochzeit des Figaro, et non pas Les Noces, c'est Les Figaro, comme on voit habituellement. Ce n'est pas choisi au hasard. Le titre était en allemand à l'époque, au moment de la semaine Mozart, parce que l'opéra était représenté en traduction allemande. Et en fait, tout ça pose un paquet de questions qu'on peut attaquer à l'instant. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bonsoir. Je voulais simplement préciser, parce que peut-être c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, ce festival qui nous a occupés, qui a été donc au cœur de ce projet de recherche, c'est donc selon nous le plus important festival musical de la guerre. Et donc pourquoi ? Parce qu'il a rassemblé environ 65 manifestations au cours d'un peu plus d'une semaine. Et c'est à partir de ce constat, en fait, qu'on s'est dit, mais comment c'est possible qu'il y ait eu autant de moyens mis en œuvre pour célébrer Mozart ? Et aussi, une chose qu'on n'a pas dite qui est importante, c'est que ce festival souligne le 150e anniversaire de la mort de Mozart. Donc, il y a une sorte de hasard du calendrier dont va se saisir le pouvoir, les services de propagande, à la fois Vienne et Berlin, pour mettre en œuvre donc un grand festival européen. Et donc, c'est à partir de ces premières sources qu'on a vues autour de ce festival qu'on s'est mis à creuser. Et voilà, c'était pour mettre un petit peu en contexte, en fait, ce sujet qu'on avait pas tout à fait présenté. Voilà, mais peut-être on peut écouter effectivement maintenant cette air des Noces de Figaro, qui a été donc gravée juste avant le festival. Exactement. Thank you.
ça suffit pour donner une idée. Donc, vous avez constaté le tempo qui est terriblement lent pour un auditeur d'aujourd'hui. On a envie de lui dire, mais avance. mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous n'avez probablement pas compris un traître mot de ce que la dame chante. C'est normal. Moi non plus, je ne comprends rien. Le texte, en fait, c'est une traduction allemande, donc des Noces de Figaro. Et en fait, tous les opéras pendant la semaine Mozart étaient présentés, tous les opéras italiens, je veux dire, de Mozart étaient présentés en traduction allemande. C'est un enjeu qui est extrêmement important parce que ces traductions-là, ce n'est pas n'importe quelle traduction. Et la raison pour laquelle c'est présenté en allemand aussi n'est pas complètement innocente. C'est-à-dire que c'était la tradition à l'époque de présenter l'opéra, tout opéra, dans la langue du pays. En France, on en écoutait Wagner en français. En Angleterre, on écoutait Mozart en anglais, et ainsi de suite. Et donc, d'avoir ici les opéras italiens de Mozart en traduction allemande, c'était complètement standard. Par contre, ça permettait un certain nombre d'éléments qui étaient très intéressants pour les nazis. Par exemple, un des problèmes avec les opéras, en l'occurrence ces opéras-là, les opéras de Mozart et da Ponte, c'est que Lorenzo da Ponte, le librettiste des Noces de Figaro, était d'origine juive, converti au catholicisme, mais pour les nazis, ça ne changeait rien, donc il restait juif. Si ça n'avait pas été Lorenzo da Ponte et Mozart, probablement que les trois opéras de Mozart et da Ponte auraient été rayés du répertoire, tout simplement, pour cause de judaïté impliquée. Là, étant donné la grandeur des œuvres, ce n'est pas une option qui était possible. Alors, ce que les nazis ont fait, ça a été de balayer le plus possible sous le tapis la contribution de da Ponte, soit en ne le mentionnant pas dans les programmes de concert, soit en présentant des articles disant que, en fait, sa contribution était très, très, très limitée, que c'est Mozart qui avait tout fait. Et le fait de faire des traductions comme ça allemandes fait partie de cette dynamique-là. Donc, très souvent aussi, sur les programmes de concert, on va avoir le nom du librettiste, le nom du traducteur, pardon, du livret, mais pas le nom du librettiste qui est da Ponte. Et le traducteur aussi, c'est pas n'importe qui. La traduction allemande qui était courante à l'époque, c'était une traduction faite par un certain Hermann Levy, dont le nom indique ses origines religieuses. C'était les traductions qui étaient jouées depuis le 19e siècle. En fait, Hermann Levy, c'est un chef d'orchestre qui a joué beaucoup Wagner et qui avait traduit beaucoup de livrets italiens comme ça. Sauf que, justement, rendu dans les années 30, donc les nazis arrivent au pouvoir et se disent « ben on ne peut pas continuer à jouer un livret d'un librettiste d'origine juive dans la traduction d'un juif ». Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est commander des nouvelles traductions plus ariennes des opéras italiens de Mozart. Et donc, c'est une de ces traductions-là que vous venez d'entendre, le résultat de ces traductions, qui ont été ensuite imposées aux maisons d'opéra pratiquement par la force, en fait. C'est le ministère de la Propagande qui envoyait des missives disant, voilà, pour tel opéra, vous utilisez telle version, en l'occurrence ici de Georg Schünemann, traduction qu'on entend parfois encore sur les scènes allemandes d'aujourd'hui, ce qui est encore une autre question. Donc voilà, tous ces enjeux-là, en fait, à partir d'un simple enregistrement qui est un des enregistrements, justement, nés dans le contexte de la semaine Mozart de 41. Voilà. J'essayais d'imaginer votre émotion au moment d'écouter ce document pour la première fois. Je ne sais pas quelle est votre réaction, mais effectivement, le son n'est pas terrible, le tempo n'est pas celui qu'on entend, le texte n'est pas compréhensible, et pourtant, il y a comme une sorte de graine du document qui est touchant, pas au sens où on serait ému parce que c'est Mozart, mais par la texture même du document historique. Quand on est historien, ça produit une sorte d'effet, en tout cas, c'est mon expérience, je pense, et c'est un peu pareil comme lorsqu'on rencontre des sources écrites qui sont inconnues, et donc il y a une passion documentaire qui doit animer un travail comme celui-là. Donc j'ai envie de me tourner vers Cécile, puisque en fait, si j'ai bien compris, mais vous allez peut-être restituer un peu cette histoire-là, ce travail que vous avez fait ensemble, il est un peu parti d'un fonds d'archives que tu as rencontré en travaillant sur Marcel Delannoy. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, est-ce que tu peux nous expliquer qui était Marcel Delannoy et comment il est arrivé dans cette histoire dont on parle aujourd'hui? Alors, cette histoire a commencé quand j'ai fait un stage à la Bibliothèque nationale de France pour classer un fonds d'archives qui était totalement inexploré, ou presque inexploré, d'un compositeur français tombé dans l'oubli qui avait été accusé de collaboration.
Et cette question, déjà, quand la directrice du département de la musique de la BNF m'avait dit « qu'est-ce que vous choisissez comme sujet de stage, comme fond ?» Elle m'avait dit « compositeur, collaborateur ». Je m'étais dit « ah, c'est intéressant, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire être compositeur et collaborateur ? Comment on peut collaborer être compositeur ? Comment ça se passe, etc. » Et du coup, j'avais dit oui, ça m'intéresse bien. Et je suis tombée sur le fond de ce compositeur, qui est un compositeur né en 1898, mort dans les années 60, et qui est un compositeur français de la génération des six, du groupe des six, dans la mouvance néoclassique, qui a écrit beaucoup de musique d'opéra, de la musique de film, tonale, assez accessible, qui était très intéressé par le folklore, les musiques populaires. Et il se trouve que en parcourant ce fond, et en particulier la correspondance, je suis tombée sur une série de documents. On peut peut-être regarder rapidement. Une série de documents, et tout d'abord, voilà, des programmes comme ça. Je ne connais pas bien l'allemand, donc je me demandais un petit peu ce que c'était. Et en lisant ces programmes et d'autres documents manuscrits, ou voilà, des programmes annotés de concerts, je vois que ça se passe à Vienne, que c'est une semaine Mozart, et en comparant avec d'autres documents du fond, documents manuscrits qui racontent un voyage à Vienne, et en comparant avec des documents sur l'épuration de Delannoy, parce qu'effectivement, il a été accusé de collaboration à la Libération. Et il a du coup eu des sanctions à la fois d'ordre professionnel et judiciaire. Et donc j'ai compris qu'il y avait un lien entre tout ça. Et ça m'a amené à m'intéresser à cette semaine Mozart et surtout à demander de l'aide à une collègue germaniste pour m'aider dans cette partie allemande des sources et pour aller voir qu'est-ce que c'était exactement que ce festival. Pourquoi il y a eu collaboration ? Pourquoi ça figure aussi dans les documents dans lesquels il dit non, je n'ai pas collaboré, dans des documents de justification qu'il a lus ou envoyés au comité d'épuration à la Libération. Et donc voilà, ce puzzle, en fait, c'est formé à partir de ce fonds Delannoy, de ce fonds de la Bibliothèque nationale de France, à partir duquel on a fait des recherches et on a rassemblé un peu les pièces du puzzle grâce surtout aux recherches de Marie-Hélène et aussi à notre séjour aussi à Vienne et aux recherches qu'elle a faites à Berlin en particulier. Mais pas que à Vienne, en fait, parce qu'on s'est aperçu assez rapidement que les sources relatives à la semaine Mozart à Vienne sont réparties dans des fonds d'archives dans tout un tas d'endroits. Donc, tu as trouvé énormément de choses à la Bibliothèque nationale de France. Tu es allé aussi aux Archives nationales à Paris, où il y a un paquet de trucs. On a travaillé beaucoup à Bruxelles, où il y a un centre de recherche qui s'appelle le CEGES, le Centre d'études et de recherche guerre et société contemporaine, où il y a énormément de sources, et notamment de photos. Et aussi, bien sûr, toutes les archives nazies qui sont en partie à Berlin et en partie à Vienne, parce que bon, il y avait le régime central à Berlin, le régime central du parti nazi qui était basé là. Donc, toutes les archives du ministère de la Propagande, notamment, sont à Berlin. Mais il y avait aussi les archives du régime décentralisé à Vienne. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, Vienne était un Gau, c'est-à-dire une région administrative du Reich allemand. Et il y avait donc les deux niveaux de gouvernement qui étaient impliqués, donc le Gau, qui avait ses archives, dont les archives sont conservées à Vienne, et le parti central, dont les archives sont à Berlin. Et donc, le travail de recherche pour arriver à ce bouquin-là, ça a représenté 5 ou 6 ans de voyage dans différents fonds d'archives, donc ici à Paris, à Bruxelles, à Vienne, à Berlin. On s'est bien amusés, en fait, toutes les deux. Et peut-être simplement pour compléter sur cet éparpillement en fait, des archives, c'est aussi un des effets logiques du fait que ce festival n'est pas conçu à une échelle nationale ou même du Reich élargi. C'est vraiment un événement de propagande internationale. Et on s'est rendu compte en tirant tous ces fils, en regardant les archives, qu'il y a eu énormément d'invités internationaux qui étaient en fait des émissaires de chaque État allié, ami, occupé, qui étaient invités à venir voir la magnificence de ces fêtes Mozart pendant une semaine avec les meilleurs interprètes allemands.
les meilleurs chefs dans les plus belles salles d'une Vienne, en plus restée complètement en dehors de la guerre. Et donc avec ces éclairages du soir, avec ces magnifiques palais. Et donc c'est aussi tout cet aspect international et de prestige, de vitrine qu'il fallait montrer à tous ces invités internationaux, ce qui explique qu'on retrouve des choses dans tout un tas de fonds d'archives à la fois personnelles et aussi administratives, institutionnelles. Oui, absolument. Excuse-moi, c'est ça. D'ailleurs, c'est la dernière image de photos qui viennent du fond de Lannoy à la Bibliothèque nationale. Et on voit ici donc, certaines photos qui sont... certaines de ces photos-là se retrouvent dans différents fonds d'archives et d'autres pas. La photo du haut que vous avez, par exemple, qui est un des discours qui ont été prononcés pendant la semaine Mozart, c'est une photo dont on a trouvé la première occurrence dans le fond de Lannoy, mais qu'on a retrouvée ensuite dans la presse allemande. Par contre, la photo du dessous, qui est une photo vraiment spécifique au voyage de la délégation française à Vienne, et c'est une photo qu'on a trouvée uniquement à cet endroit-là. Les droits sont détenus par un musée à Berlin, mais la photo comme telle, on l'a trouvée nulle part ailleurs qu'ici, dans le fond de Lannoy. Donc, ça montre vraiment l'éparpillement des sources qui se recoupent en partie, mais pas complètement. Oui, j'allais dire, je trouve passionnant ce récit de comment vous avez fait la recherche, parce que c'est une sorte d'image renversée de la complexité de l'organisation de cet événement. Et l'une des choses passionnantes de ce bouquin, c'est comment vous reconstituez non seulement comment ça s'organise, mais aussi comment ça se désorganise, dans le sens où il y a des conflits d'intérêts, des conflits de personnalité. Il y a, ça se reproduit d'ailleurs souvent dans l'histoire du Troisième Reich, qu'il y a des disputes pour des espaces de pouvoir. En l'occurrence, vous décrivez très bien comment le ministère de la propagande de Goebbels se retrouve en conflit avec le Baldur von Schirach à Vienne. Et tout ça, ça produit malgré tout cet événement dont l'importance, alors ça serait peut-être le point suivant. Pourquoi se donner tant de mal alors que l'Allemagne est en guerre comme le reste du monde? Pourquoi faire ça en sachant justement que Mozart n'est pas un nazi et qu'on ne peut pas prétendre qu'il l'est? Autrement dit, c'est le rapport entre les nazis et le wagnérisme, que tu connais très bien d'ailleurs, puisque je remarque au passage, Marie-Hélène a collaboré comme traductrice à un livre important, Wagner antisémite, dont l'auteur est Jean-Jacques Nattier, où il y a toute la question du rapport du Troisième Reich à Wagner et au wagnérisme. Mozart, ce n'est pas ça, ce n'est pas Wagner, ce n'est pas Bruckner non plus, qui a un rôle symbolique important, ce n'est pas Beethoven, c'est ce compositeur associé en plus à un librettiste juif. Alors pourquoi faire ça et pourquoi faire venir tout ce monde? Alors c'est combien? C'est plus de 25 personnes qui viennent de Paris. Quelle est la de chiffre? De France, c'est 22. 22 personnes, aux frais du gouvernement nazi. Pourquoi? Quel est l'intérêt finalement de cet événement du point de vue des nazis eux-mêmes? Alors, il y a tout d'abord une question qui est liée au choix du compositeur. Donc, il y a le hasard du calendrier dont je parlais tout à l'heure, qui était un heureux hasard pour les nazis. Mais il y a aussi le fait que finalement, l'efficacité... de Mozart et même si cette association Mozart-Nazi peut sembler totalement incongrue, impossible, eh bien en fait avoir organisé tout un festival avec de la musique classique était beaucoup moins voyant que et neutralisé politiquement en fait les discours associés, alors que représenter du Wagner était beaucoup plus clair. Donc finalement, Wagner, bien sûr, il a été très présent dans la musique des congrès du parti, etc. Mais pour faire un festival vraiment international, Mozart fonctionnait très bien, puisqu'effectivement, Mozart, depuis le 19e siècle, est considéré comme le génie européen, qui en plus s'est nourri d'influences diverses, qui était l'esprit éclairé des Lumières, etc. Et donc, Mozart paraît inoffensif. Et de ce point de vue, c'était une bonne stratégie de la part des nazis d'organiser un énorme festival autour de Mozart. Et c'est aussi pourquoi, je pense, en partie, plusieurs invités internationaux ont accepté de venir, puisque Mozart paraît inoffensif et il s'agit juste d'écouter de la musique,
ça fait justement partie des arguments après-guerre qui ont été donnés par les personnes à qui on a reproché d'avoir fait ce voyage de propagande. Non, moi, j'allais juste écouter de la musique. Il n'y avait aucun discours politique. Alors, en fait, on voit bien qu'au contraire, Mozart était perpétuellement entouré de discours politiques. Jusqu'à cette affiche même qui est clairement une utilisation, une instrumentalisation de Mozart où on voit un profil extrêmement sévère, un costume un peu comme un uniforme, et puis surtout les noms l'aigle, la croix et le nom des principaux instigateurs du festival, à savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, Schirach à Vienne et puis Goebbels à Berlin. Voilà, je ne sais pas si tu veux un peu compléter, parce que je ne sais plus trop si j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. Mais deux, trois petites autres choses. Mais pendant qu'on est sur l'affiche, en fait, ce qui est intéressant, c'est de comparer l'affiche qui a été faite spécialement pour la semaine Mozart, donc le portrait ici, avec le portrait très, très connu de Mozart qui date du début du 19e siècle. Ce portrait-là, en fait, qui était extrêmement courant et qui a visiblement servi d'inspiration à l'affiche de la semaine Mozart, mais avec une transformation extrêmement importante. Si vous observez, en fait, son costume est beaucoup plus carré ici. Mozart aussi est représenté non pas de trois quarts, mais de profil. Et ce n'est pas n'importe quel profil, c'est exactement le même profil que l'aigle hitlérienne ici en dessous. Et je suis complètement certaine que ce n'est pas un hasard, ça. Donc, tout le graphisme de cette affiche-là est conçu pour donner une impression extrêmement martiale, extrêmement affirmative, beaucoup plus que ce à quoi on est habitué avec les portraits de Mozart, tout en montrant effectivement donc, une certaine égalité entre Goebbels et Schirach qui sont mentionnés ici. Égalité de pure apparence, parce que, comme le soulignait Esteban tout à l'heure, entre Goebbels et Schirach, ce n'était pas exactement l'amour fou, de façon générale. Pendant la semaine Mozart, encore moins. C'est presque rigolo, en fait, de lire la correspondance entre le ministère de la Propagande à Berlin et les bureaux de Schirach à Vienne pendant l'organisation de la semaine Mozart, parce qu'en fait, chacun tirait la couverture de son côté. Schirach, lui, en fait, son intention était de se servir du festival Mozart pour montrer que Vienne était encore la ville de la musique, malgré son intégration au Reich, pour montrer, en fait, que Vienne avait une identité culturelle propre et qu'elle allait la conserver. Son idée, à lui, était de, avec ça, gagner des points auprès de la population locale et de bien se faire voir des Viennois qui n'étaient pas tous 100% ravis de se faire intégrer comme ça au Grand Reich allemand. Certains Autrichiens ont accueilli ça positivement, mais vraiment pas tout le monde. Et donc, sur le plan local, Goebbels, lui, essayait donc d'améliorer sa position politique en présentant la semaine Mozart comme une occasion de célébrer Vienne, ville musicale, ville du Grand Mozart. Goebbels, évidemment, lui, n'était pas du tout intéressé à présenter la semaine Mozart sous cet angle-là. Pour lui, la semaine Mozart, c'était une émanation du Reich s'adressant au monde entier et pas seulement à l'Europe. En fait, l'intention derrière ça était de montrer que même en temps de guerre, même dans une période qui commençait effectivement à être difficile pour l'Allemagne, que le Reich restait fort et suffisamment fort pour être capable d'investir 350 000 Reichsmark, c'est une somme énorme à l'époque, dans un festival purement artistique, purement musical. Le message derrière ça, c'était, certes, on se bat actuellement sur deux fronts à la fois. Certes, toutes nos ressources sont investies dans notre armée, mais on est quand même capable de consacrer des fonds importants et des ressources humaines importantes à un festival musical. Voyez comme l'Allemagne est une grande nation et un grand pays. Donc, c'est vraiment ça le message qu'il y a derrière. Et ce n'est pas un hasard si la semaine a été planifiée pendant l'année 41, qui est une année de très grande expansion pour le Reich allemand. Justement, l'année où le front de l'Est est ouvert. Une année aussi où plusieurs nouveaux pays donc, sont annexés après toutes les annexions de 1940. En fait, les occupations, pardon, de 1940. Et donc, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'il faut situer la semaine Mozart. Alors, je voudrais prolonger ce que tu viens de dire, Marie-Hélène, par une question qui s'adresse plutôt à Cécile. Alors, pourquoi la France est particulièrement importante dans ce dispositif de propagande, puisque c'est, sauf erreur, la délégation de loin la plus importante, et c'est en France que ça va avoir la plus grande répercussion, sauf l'Allemagne, bien entendu, mais je veux dire, vous avez retrouvé, j'imagine, presque tous ou tous les articles qui ont été
publié dans la presse française après. Et donc, ça montre l'enjeu que ça représentait pour les Allemands de faire venir tout ce beau monde, parce que Marcel Delannoy était un personnage important à l'époque, mais il y en avait d'autres. Tu pourrais peut-être nous rappeler quelles sont les autres vedettes, disons, de cette délégation française et pourquoi c'était aussi important et intéressant pour ces personnalités du monde de la musique française d'accepter cette invitation. Qui quand même a posé problème à certains. Pas tout le monde est venu comme ça en disant ce n'est jamais que de la musique, n'est-ce pas ? Il y a eu des refus, je crois, pas beaucoup, mais quelques-uns qui marquaient la difficulté morale, finalement, d'accepter une telle invitation. Oui, tout à fait. Alors, déjà, pour le rapport à la France, il est vrai que cette importance de la délégation française par rapport aux autres délégations étrangères invitées au festival était frappante. Et il y a au moins une grande raison, c'est qu'il ne fallait pas que la France fasse de l'ombre à l'Allemagne. Il fallait saper le rayonnement culturel français pour mieux asseoir la suprématie culturelle allemande. Et de ce fait, séduire les élites françaises permettait de mieux faire accepter cette suprématie et aussi l'occupation, puisqu'il y avait aussi ce double enjeu, faire accepter l'occupation en France, qui est alors un pays occupé aux deux tiers par l'armée allemande. Et de ce fait, si les élites acceptent d'aller en Allemagne ou en Autriche et ensuite reviennent avec un discours positif et rassurant, tout ça ne peut être que bon pour la propagande et pour le bon déroulement de l'occupation française. Et de ce point de vue, il y a eu plusieurs événements importants. Il y a eu des expositions, des concerts, des tournées d'artistes, etc., pour aller dans ce sens-là. Et il y a eu aussi des voyages, et les voyages de propagande le voyage des écrivains est plus connu. À Weimar, en 41, fin 41, il y a eu un voyage de plasticiens, un voyage aussi de vedettes du cinéma. Mais ce voyage, justement, des musiciens n'était pas très connu, et c'est pour ça qu'on s'est évidemment penché là-dessus en détail. Et ces musiciens qui ont accepté, qui c'était ? Alors, ce n'étaient pas des grandes vedettes comme les écrivains, comme les plasticiens. Ils étaient aussi moins marqués politiquement. Ça s'est lié aussi au monde de la musique où il y a quand même un engagement qui est quand même moins fort que dans d'autres domaines artistiques. Et donc, à qui on a proposé ? On pense qu'une cinquantaine d'invitations ont été envoyées. Ce qui est intéressant, c'est que dans les archives qu'a trouvées Marie-Hélène, c'est qu'il y a tout un processus d'enquête pour savoir qui faut inviter, est-ce que c'est des personnes qui ont des opinions favorables, ce qui nous montre bien aussi l'importance et la prévision des organisateurs du discours que va ensuite ramener à la maison la personne invitée. Donc il y a vraiment une volonté, et on le voit même dans plusieurs documents d'archives, une volonté de faire rayonner ce festival, en particulier dans la presse, qui est l'outil, vraiment le média qui va être le plus puissant, en tout cas le principal, pour cette semaine Mozart et puis pour les événements de propagande en général de cette période. Et donc les personnalités françaises qui ont été invitées en musicale française, ça a été donc des compositeurs comme Delannoy, qui est plus connu aujourd'hui, mais il y a Arthur Honegger qui est allé à Vienne, Florent Schmitt qui est un autre compositeur connu, qui était déjà assez âgé à l'époque, qui lui était franchement antisémite et très très acquis à la collaboration. Et il y a eu aussi des administrateurs, hommes politiques liés au monde de la musique. Alors, en particulier Jacques Rouchet, qui était le directeur de l'Opéra, de la Réunion des théâtres lyriques nationaux. Et il y a eu aussi, beaucoup de critiques musicaux et de journalistes. Et l'enjeu, c'est celui que je décrivais tout à l'heure, à savoir il faut qu'on parle ensuite positivement de ce festival. Et donc, en cherchant de façon approfondie dans la presse, on a trouvé une trentaine de comptes rendus, des fois très répétitifs d'un journal à l'autre, où on a le même auteur qui va raconter les mêmes choses.
mais néanmoins au moins une vingtaine de comptes rendus assez différents, signés par des personnalités comme Rebatté, aussi Lucien Rebatté, journaliste, essayiste, ancien de l'Action française, collaborationniste, qui n'a pas été évidemment choisi au hasard et qui lui a écrit beaucoup d'articles à son retour pour vanter ce festival, mais aussi toute la politique nazie, puisque lui était très clairement collaborationniste. En revanche, la plupart des autres invités sont restés relativement neutres dans leurs éloges, en tout cas plutôt n'ont pas montré ou n'ont pas mis en avant cet aspect politique du festival pour s'intéresser exclusivement à la musique. Mais encore une fois, c'était faire le jeu. Ça rejoint la question de tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire collaborer aussi quand on parle de musique? C'est faire le jeu aussi des organisateurs de la propagande que de dire, comme ils l'ont fait, c'était absolument magnifique. Les Français doivent prendre exemple de ce festival pour faire aussi organiser des événements d'une telle ampleur, d'une telle qualité musicale. Et donc, on a vraiment un concert de louanges dans la presse qui est assez impressionnant et qui montre finalement, le discours de propagande a été très bien reçu et ensuite médiatisé à son tour en France. J'aurais envie de rester une minute encore là-dessus. D'ailleurs, c'est une question pour toutes les deux, mais tu viens d'expliquer que d'une part, tu as des gens qui, à leur retour, disent « Ah, quelle belle musique, Mozart, c'est magnifique », et ne disent rien ou rien d'explicite sur les organisateurs, les nazis. Et puis, tu as de l'autre côté ce Lucien Rebatté qui a peut-être cristallisé dans une phrase le véritable enjeu de la chose en disant « C'était un pèlerinage plus nazi que mozartien », n'est-ce pas? C'est un peu la phrase choc qu'il utilise. Et ma question, c'est qu'est-ce qui rendait le plus service aux nazis? Rebatté disant c'était un pèlerinage plus nazi que mozartien, ou je ne sais pas, probablement Delannoy ou Robert Bernard qui était du voyage, si mes souvenirs sont bons, disant Mozart et la musique et l'éternité, etc. C'est une sorte de dilemme. Franchement, je ne saurais pas répondre à ça. Je ne sais pas quel est votre avis. Mais je pense que on peut dire que les lecteurs de Rebatté n'ont pas besoin d'être convaincus puisqu'ils sont des lecteurs de Je suis partout et ils sont déjà extrêmement collaborationnistes. Et donc, le point de vue de Rebatté, qui est en plus très violent verbalement, il y a un appel au meurtre à un moment à propos des Juifs de Vienne dont il voit l'étoile et il dit « C'est très bien, il faut faire pareil en France pour éliminer cette vermine. » C'est d'une violence extrême. Et donc, on se doute bien que les lecteurs qui lisent ce type de journaux sont déjà acquis. En revanche, pour là où des discours en apparence apolitiques étaient intéressants, je pense, du point de vue de la propagande, c'est qu'ils permettaient de normaliser la situation d'occupation. Et c'est en ça que cette propagande est assez subtile. C'est que ce n'est pas juste un discours où on donne les idées telles quelles du nazisme. C'est un discours qui simplement met en valeur les réalisations en parlant de Mozart uniquement, des chefs d'orchestre, de la façon dont tout le monde a été bien accueilli, etc. Et donc, c'est un petit peu en retrait qu'on peut analyser cette efficacité, même si elle ne paraît pas très, très nette au premier abord. Oui, et en même temps, en fait, il ne faut pas oublier que le fait d'avoir un compositeur ou un critique musical français aller à Vienne en pleine guerre, Vienne étant quand même territoire du Reich, revenir et en faire un récit complètement idyllique comme quoi Vienne, c'est merveilleux, c'est une ville extraordinaire où on a entendu de la musique fantastique avec toutes sortes de musiciens fabuleux, musiciens tous allemands, précisons-le, c'est pas innocent non plus. Et effectivement, il y a derrière ça un discours de normalisation non seulement de la situation d'occupation, mais de la situation d'hégémonie en général et de la situation de guerre.
Donc, en fait, j'ai l'impression, pour répondre à la question ici, que les deux discours se complètent d'une certaine façon. Le discours très, très politique d'un rebattais qui dit carrément « je suis nazi, c'est très bien ce qu'ils font en Allemagne », et en même temps, d'avoir des critiques musicaux plus neutres politiquement, mais qui font quand même l'éloge de ce qui se passe en Allemagne, sans le dire explicitement. Ça vient chercher peut-être des publics différents, ça vient chercher un angle différent, mais dans les deux cas, ça rend service complètement à l'hégémonie nazie, et ça allait tout à fait dans le sens de ce que cherchaient les organisateurs du festival, qui cherchaient pas seulement du discours politique très, 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 très pro-nazi, qui cherchaient aussi, d'abord et avant tout, un écho positif pour le festival, que ce soit sous l'angle social, artistique, culturel ou politique. Et en fait, essentiellement, c'était l'angle artistique, je crois, qui les intéressait. Si on regarde les sources archivistiques, parce que les sources montrent clairement que les organisateurs, leur priorité, c'était d'avoir un bon écho dans la presse. Et donc, ils se sont adressés à un très, très grand nombre de journalistes, aussi bien dans le Reich qu'à l'étranger. Et toutes les sources indiquent que leur priorité, c'était d'avoir l'écho le plus large possible, aussi bien à l'intérieur du Reich qu'à l'étranger, et d'avoir des critiques musicaux aussi nombreux que possible qui rendent compte de l'événement. Et donc, en France, c'est exactement ce qui s'est produit. Je voudrais qu'on essaie de rentrer maintenant un peu dans le tissu de comment vous avez raconté cette histoire. Le tissu, je veux dire par là, bon, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce livre. C'est, appelons ça, un enchevêtrement d'échelle ou un jeu d'échelle, plus simplement. Jeu d'échelle autant du point de vue spatial que du point de vue temporel. Je veux dire par là, quand vous parlez d'une semaine, oui, c'est sur une semaine que ça se passe, mais en même temps, vous allez chercher dans toute une histoire qui est, bien sûr, qui inclut la période de vie de Mozart et pour cause, et qui surtout se prolonge dans une tradition d'hommage aux grands compositeurs sur le 19e et sur le début du 20e siècle. Donc, du coup, ce n'est plus d'une semaine qu'il s'agit, mais pratiquement d'un siècle et demi. Et ça, c'est seulement au niveau temporel. Et puis, il y a un jeu d'échelle aussi au niveau spatial, parce que vous êtes allé voir situé sur une carte, ça, j'aimerais bien si vous pouvez nous montrer un peu les documents de comment ça se déroule à l'échelle de la ville. Bon, les lieux sont assez rapprochés. Ça, c'est un document de Delannoy encore, Cécile. Voilà, ça vient du fond de Delannoy. Tout à fait. C'est un petit plan de Vienne qu'il a conservé avec ses attractions et ses monuments. Et donc, il y a les légendes avec tous les monuments. Je ne sais pas si tu peux peut-être montrer, Marie-Hélène. Tout à fait, c'est un défi de faire ça à l'envers, mais en fait, donc c'est un plan qui était distribué aux participants de la Semaine Mozart. En fait, il y avait toute une littérature purement touristique, en fait, qui était distribuée aux invités internationaux, et ce plan-là en fait partie. Et en fait, tous les lieux où avaient lieu les concerts sont indiqués ici, et ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment un quadrilatère assez réduit. En fait, tout ça se fait à pied très facilement. Donc, vous avez ici la cathédrale Saint-Stéphane, qui est la fameuse grande église où, d'ailleurs, ont eu lieu les funérailles de Mozart. Non seulement ses funérailles en 1791, mais ses funérailles 2.0 en 1941, parce qu'évidemment, les nazis ont pris sur eux de refaire des funérailles nationales à Mozart 150 ans plus tard. On voit aussi la Bibliothèque nationale autrichienne qui est ici, avec le Burggarten et le Hofgarten. L'opéra, attendez, là, je suis à l'envers, en dessous, quelque part ici, oui, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, donc l'opéra est ici, et vous avez ici, étant donné que c'est à l'envers, c'est un petit peu plus difficile, là, mais dans ces eaux-là, ici, vous avez le Musikverein et le Concerthaus, qui sont les deux principales salles d'opéra, salles de musique, de concert à Vienne, encore aujourd'hui. Et donc, en fait, tout ça est dans un quadrilatère relativement restreint, d'autant plus restreint qu'il faut penser que les invités français étaient logés au Grand Hôtel, qui est vraiment pas très loin de l'opéra, qui était à peu près ici. Tout ça était vraiment dans un quadrilatère extrêmement facile à explorer à pied, et ils rendent compte, en fait, de ça dans leurs écrits. Tu as vu ça chez Delannoy, notamment. Oui, tout à fait. Et alors, je voulais noter deux petites choses. Déjà, le fait qu'ils sont reçus quand même avec un certain luxe pour le temps de guerre, et ça, ils le notent tous. Ils sont tous sensibles à ça. Et ça fait partie, encore une fois, de cette volonté de montrer qu'on a encore des ressources. Et qu'on est très prévenant avec les étrangers et les Français, les anciens ennemis.
Et donc, ils se rendent à pied à toutes ces salles de concert qu'on a vues, que Marie-Hélène a montrées, qui sont toutes proches, qui sont aussi des lieux de mémoire musicale, parce que Vienne, c'est aussi la ville de la musique. Et donc, on tire profit de cette histoire de la ville qui est très musicale, qui a accueilli des grands compositeurs, Haydn, Mozart, Beethoven, et plus tard, bien d'autres, et qui donc est chargée de cette histoire musicale, que les invités du festival vont pouvoir aller voir, notamment, aller découvrir, redécouvrir. Notamment, il y a des manuscrits mozartiens qui ont été prêtés par la Bibliothèque nationale de France pour certains, qui sont exposés à la Bibliothèque nationale de Vienne lors de cette semaine Mozart. Il y a un musée d'instruments au Palais Pallavicini, je crois. Il y a le palais Lobkowitz où a été créée la symphonie héroïque de Beethoven. Et donc, c'est tous ces lieux aussi dont reparlent les Français, parce qu'ils sont émus, en fait, de se trouver dans cette ville de la musique, dans ces lieux où sont nées de grandes œuvres. Il y a la Maison Mozart, etc. Et je pense qu'ils ont su tirer profit de cette géographie musicale de Vienne, de tous ces atouts architecturaux, musicaux, de tout ce patrimoine pour arriver à leur fin, évidemment. Absolument. Et tu viens de mentionner la Maison Mozart. C'est intéressant de savoir que la Maison Mozart, qui est une des maisons où a vécu Mozart, qui sont juste derrière ici le Stephansdom, la cathédrale Saint-Stéphane, c'est un musée qu'on peut visiter encore aujourd'hui et qui a été inauguré pendant la semaine Mozart en 1941. Donc, c'est une création, un musée de l'époque nazie, littéralement. Alors, pour prolonger un tout petit peu ma question, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez construit le livre, justement, en tenant en compte toutes ces différentes échelles, comment créer cet objet? C'est vraiment, du point de vue textuel, disons, c'est un livre original, ce n'est pas un livre d'histoire standard, quoi. C'est le résultat d'un long processus. On reparlait de ça cet après-midi. En fait, je ne sais pas combien on a fait de plans pour ce bouquin. On l'a retravaillé oui, environ 2 millions de fois. Mais ça devait être un article au départ, en fait, c'est pour ça. Ça devait être un article et comme on a tiré des fils qui se sont révélés très longs, très liés et plein de choses sont apparues, le projet a pris de l'envergure et progressivement, on a mis en œuvre ce travail qui finalement se décline par point de vue. Je pense que c'est ça un petit peu ce qui nous a ce qui nous a guidés, à savoir effectivement cette histoire, les origines de ce festival, donc avec une échelle un peu plus grande, et notamment le festival de 1931 où il y a déjà toutes les prémices d'une organisation, et comment les nazis ont insufflé une idéologie nouvelle après, en 1941, à ce festival. Et puis ensuite, le point de vue des Français, le point de vue l'image de Mozart qui a été, ça, c'est le chapitre justement qui s'intitule Mozart nazi, quel Mozart on a présenter. Et donc un Mozart arianisé, arien, un Mozart proche du peuple, parce qu'il y avait cette dimension aussi importante dans la propagande locale. Un Mozart allemand, évidemment, ce qui pose évidemment, ce qui est impossible historiquement. Et quoi d'autre ? Mozart martial aussi. Et un Mozart martial. Parce que Mozart était aussi mis au service de l'image des soldats allemands qui se battent notamment sur le front de l'Est. Et Schirach justement dit dans son discours, lever le glaive pour l'Allemagne, c'est aussi lever le glaive pour Mozart. Donc, le combat des soldats allemands sur le front de l'Est, c'est le même combat que nous menons avec la musique de Mozart. Il dit littéralement ça. C'est le discours classique de la civilisation, de la sauvegarde de la civilisation. Absolument. Et donc, dans le livre, ce qu'on a essayé de faire, c'est de tracer toujours le parallèle entre qu'est-ce qui se passe du côté des organisateurs nazis, quelle est l'idéologie qu'ils ont essayé d'insuffler au festival, et comment ça se passe du côté des Français, comment est-ce que les Français reçoivent cette idéologie-là et comment ils la transforment. Donc, on a vraiment l'alternance entre les deux échelles. Donc, l'organisation des nazis, d'une certaine façon, l'organisation du festival, l'organisation du voyage des Français, qu'est-ce que les Français ont vu, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, et ensuite, qu'est-ce qu'ils en ont pensé
sachant que Mozart était présenté d'une façon extrêmement spécifique pendant le festival et aussi dans toute la littérature publiée sur Mozart pendant l'année 41. Il y a énormément d'écrits qui ont été publiés, des articles, des ouvrages, des émissions de radio sur Mozart en 41 qui tracent un portrait de Mozart qui est vraiment très, très marqué. Et donc, on a donc deux chapitres qui étudient en miroir ce discours-là, comment les nazis présentent Mozart et comment les Français ramènent ce discours-là à la maison, d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir... C'est ce qu'on a essayé de faire, enfin, d'unifier les deux perspectives pour montrer comment l'une répond à l'autre. J'aurais envie encore de prolonger ça un moment, parce que là, on a une image, n'est-ce pas, de Vienne. Est-ce qu'on peut aussi avoir une sorte d'image acoustique de qu'est-ce que c'est que cette ville où on pourrait étendre ce paysage sonore, comme on dit parfois, jusqu'à imaginer à des milliers de kilomètres de là les canons, les bombes, les morts, les râles, et puis au cœur de l'Europe, cet endroit où tout est musique, où on se promène, comme vous l'avez expliqué, nonchalamment d'une rue à l'autre, et puis on a des fragments de musique de Mozart qui viennent vous envelopper de manière... est-ce que cette notion d'un paysage sonore à l'échelle de ce que peut être un continent en guerre vous parle? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu... je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, parce que c'est plutôt une image sonore qui me vient, mais que je trouve assez heuristique, peut-être. Alors, ce qui est sûr, ce qu'on sait, c'est que comme c'était en dehors des zones de combat, il y a un calme. Il y a un calme qu'on n'a pas, je pense, du point de vue sonore, par rapport à d'autres villes, évidemment, notamment allemandes. Et aussi, on sait que certains événements étaient accompagnés de musique qu'on n'écoutait pas nécessairement énormément, comme par exemple un fameux dîner d'honneur organisé le dernier soir ou l'avant-dernier soir, le jour de la mort de Mozart, où Schirach reçoit tous les invités et où il y a un concert aux chandelles pendant que les personnes dînent. Et donc, il y a cet environnement un petit peu de musique d'agrément, je pense. Après, c'est difficile de se rendre compte de comment ça sonnait. Les 78 tours et les quelques extraits qu'on a trouvés nous donnent un peu des renseignements. Mais sinon, c'est une question finalement qui reste peut-être à creuser, cette question du paysage sonore de la Vienne de la fin 41. Oui, effectivement, c'est assez complexe à documenter. On sait qu'il y avait aussi des soirées dansantes, donc certaines soirées qui étaient organisées pour faire danser les gens sur des menuets ou de la musique vraiment comme on l'aurait fait à l'époque de Mozart. Mais au-delà de ça, en fait, comme la plupart de nos documents sont écrits, ça complexifie quand même un peu la recherche point de vue sonore. On a quelques petits trucs. Quelques enregistrements de discours. Ce qu'on sait, effectivement, le calme de la ville qui a énormément impressionné les participants. Au-delà de ça, on est un peu forcé de se projeter dans l'imagination, et ce qui fait partie aussi du travail historique, parce que tout n'est pas documenté, tout n'est pas écrit. Donc, on est obligé de se replacer, nous, dans cette situation-là et d'essayer d'imaginer comment ça pouvait être pour les participants. Ou d'aller à l'Opéra de Vienne pour voir comment ça sonne, ce qu'on a fait pour notre voyage de recherche. Absolument. Donc, c'est pas pour rien. Vous avez vu une photo tout à l'heure. Ça, c'est une trace de notre travail extrêmement sérieux sur le terrain. Donc, évidemment, on ne pouvait pas aller à Vienne sans manger de la Zachertorte et boire du café. Donc, ça fait partie de notre processus d'une très, très grande rigueur. Alors, je vois que l'heure tourne et nous avons bien sûr envie de vous laisser la parole, poser des questions ou faire des commentaires, mais j'ai quand même en réserve deux ou trois questions quand même, et il y en a peut-être même d'autres qui vont me venir. Marilyn, tu viens d'évoquer une sorte de paysage idyllique, enfin on en a parlé depuis tout à l'heure, qui est par définition tourné vers le passé, puisqu'il s'agit d'une commémoration de quelqu'un qui est mort il y a très longtemps, et donc il y a une dimension hommage rétroactif. Ma question, elle est la suivante. Est-ce que vous voyez dans tout ça
ce qu'on appellerait aujourd'hui une dimension de modernité. Est-ce qu'il y a aussi l'idée qu'il faut récupérer Mozart pour aller vers cette dimension utopique qui est quand même une dimension importante de l'idéologie nazie? Autrement dit, est-ce que dans la technologie qu'on déploie pour le festival ou dans d'autres aspects, il y a aussi cette aller vers le futur et pas seulement vers le passé? C'est une excellente question. Oui, cet élément-là est un peu présent, mais toujours présent, marqué par le côté très conservateur des goûts musicaux des nazis. En fait, ce n'était pas du tout un régime qui favorisait la musique contemporaine, et donc le fait que ce soit un répertoire plus ancien n'est pas du tout innocent. Il y a une œuvre du 20e siècle qui a été programmée pendant tout le festival Mozart, et c'est les variations sur un thème de Mozart de Riga. Donc, une œuvre de 1914, 18, j'ai un trou, enfin, des années 10. Donc, une œuvre qui avait déjà une bonne trentaine d'années au moment du festival. Donc, on ne peut pas parler de répertoire vraiment contemporain. Mais dans les sources allemandes, en fait, les gens qui ont fait ces choix de programmation-là indiquent qu'ils ont choisi cette œuvre-là dans le but de montrer la résonance de Mozart dans le monde d'aujourd'hui. Donc, l'idée étant de montrer que l'œuvre de Mozart persiste jusqu'au 20e siècle et ouvre la voie à la modernité d'une certaine façon. Donc, il y a ce choix-là qui est l'unique. Hein, de tous les 65 événements du Festival Mozart, il y a cette œuvre-là qui est du 20e siècle et c'est absolument la seule. Sinon, la radio a été beaucoup utilisée. Un petit peu moins que ce qui aurait pu être prévu, mais quand même plusieurs des événements ont été retransmis à la radio, certains en direct. Il y a eu un très, très gros événement. Je vous montre les photos ici, si je le retrouve rapidement. Donc, ça ici, c'est un événement qui a eu lieu donc, le jour même du décès de Mozart. Là, je vous parlais tout à l'heure de funérailles nationales. C'est vraiment ça ici qui est mis en scène. Et donc, c'est une énorme cérémonie de dépôt de couronne par une vingtaine de représentants de délégations nationales et étrangères en l'honneur de Mozart. Donc, vous voyez ici là, un catafalque avec une flamme sacrificielle qui représente Mozart, le tout sur le flanc nord de la cathédrale Saint-Stéphane où ont eu lieu les funérailles de Mozart en 1791. L'idée derrière ça est donc de refaire les funérailles de Mozart de la façon pompeuse et grandiose qui aurait dû être celle de son décès 150 ans plus tôt, selon les nazis. Et donc, tout ça pour dire que cette cérémonie-là a été retransmise à la radio. Aurait dû aussi être transmis à la radio la représentation du Requiem qui a eu lieu le soir même, mais cette représentation-là, en fait, a été interdite des ondes par Goebbels parce que Goebbels trouvait que le Requiem, c'était trop déprimant et que la population avait plutôt besoin de musique pour lui remonter le moral. Donc, Goebbels était, il faut le savoir, là, pas un grand mélomane. Il a découvert le Requiem de Mozart pendant la semaine Mozart. Donc, c'est une œuvre qu'il découvrait pour la première fois. Il écrit dans son journal, « Oh, wow, c'est grandiose, c'est très, très émouvant, c'est magnifique, je ne m'attendais pas à ça. » Mais en même temps, lui-même, plusieurs jours avant, avait interdit la représentation, la transmission à la radio pour cause de manque de remontage de morale des troupes, d'une certaine façon. Donc, c'est un classique de la radio de propagande pendant cette période. Pardon, je t'ai coupé. Alors, je voulais juste ajouter une petite remarque pour répondre un petit peu en retard à la question d'Esteban au sujet de cette cérémonie des couronnes du 5 décembre, date anniversaire donc de la mort de Mozart, durant laquelle tous les grands délégués de chaque pays viennent déposer des grandes couronnes, là, tenues par on voit sur la photo de gauche, tenues par des jeunesses hitlériennes. Et donc, là où il y a peut-être modernité, et pour répondre à cette question du paysage sonore, c'est que dans cet événement très, très, très organisé, il y a un haut-parleur qui vient annoncer chaque pays. Frankreich, non. Et les gens arrivent. Et là, on voit au début le salut de Chirard, je crois. Donc, il y a tout un rituel de son amplifié, de signes, de fleurs, de silence, parce qu'il y a un moment de silence, et à la fin, les cloches de la cathédrale. Donc, il y a aussi une construction sonore qui relève d'une certaine modernité, et aussi, j'ai oublié de le citer, un petit orchestre qui est situé sur un des coins de la cathédrale, qui joue
des extraits de la flûte enchantée, des fanfares de la flûte enchantée. Donc on a là une utilisation de la musique de Mozart, mais pour de la musique d'une cérémonie de plein air, qui est destinée, qui relève d'une sorte de rituel religieux, mais transformé en rituel évidemment éminemment politique. Voilà, pour compléter un petit peu. Alors, je voudrais poser une question. En tout cas, on avait prévu, je vous la pose, puisqu'on a un plan. Ça, on ne le comprend pas à l'écoute, mais tout est... Bref, je passe. Je ne sais pas quelle est votre expérience personnelle. Enfin, je la connais un tout petit peu, mais je n'ai pas une idée précise. Je pense que si on pose la question à la plupart des gens qui s'intéressent à la musicologie, qui choisissent d'être musicologues, d'être historiens de la musique, ils vont vous répondre parce que j'aimais beaucoup la musique et j'étais très curieux de savoir quelle était l'histoire. Donc, c'est un choix fait à partir du plaisir, souvent de l'admiration pour... les compositeurs, pour les œuvres. C'est un rapport à la base peut-être simple, mais basé sur une idée positive de se consacrer à quelque chose que l'on aime. Or, vous, et moi, ça m'arrive aussi, dans ce livre en particulier, vous avez fait le choix de prendre les choses par l'autre côté, puisque c'est a priori un objet, excusez-moi, mais c'est un objet horrible d'une certaine manière. Ça produit une répulsion morale, ça produit tout un tas de réflexions qui sont presque à l'opposé ou carrément à l'opposé de cet aller vers la musique comme un objet qui vous donne quelque chose dans la mesure où ça vous donne quelque chose d'intime. Donc je ne sais pas, je voulais poser cette question qui est une question à la fois sur l'éthique de la recherche et sur le sentiment que vous pouvez avoir éprouvé ou encore aujourd'hui face à ce travail qui est un projet de connaissance, et la connaissance historique, je pense qu'il n'y a pas à la justifier ici, même si on pourrait en parler, mais est-ce que c'est au prix de surmonter quelque chose, comme ce dégoût de cet événement, des gens qui l'ont organisé, ou est-ce que tout ça est une dramatisation et qu'au fond, un objet historique, une fois qu'on l'a neutralisé par la recherche, c'est plus un souci en soi. Je ne sais pas quelle est votre réflexion là-dessus. C'est une question extrêmement importante et tout à fait centrale quand on s'intéresse à des sujets comme celui-là, parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout joyeux. Étant donné que je suis la responsable du côté allemand des sources de ce projet-là, j'ai eu la joie fabuleuse de me farcir le journal de Goebbels, le journal de Baldur von Schirach, le journal de l'attaché culturel de Baldur von Schirach, le journal de la femme de Baldur von Schirach. Ça, si vous voulez rigoler, lisez ça. Même après la guerre, elle n'avait pas du tout saisi ce qui s'était passé. Et c'est extrêmement difficile de lire des choses comme ça. C'est pas du tout quelque chose qu'on fait de gaieté de cœur. Et non, ce n'est pas parce qu'on sympathise avec ces idées-là, vraiment au contraire. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement difficile dans le fait de travailler là-dessus et de voir à quel point un compositeur universellement apprécié comme Mozart a pu être perverti, a pu être détourné. Il y a quelque chose là-dedans de douloureux même. On finit par s'habituer forcément, de la même façon qu'un chirurgien ne va pas se mettre à pleurer chaque fois qu'il ouvre quelqu'un en deux, parce qu'on n'en sortirait pas, tout simplement. Donc, on finit par détacher une sorte de développer une sorte de détachement chirurgical où on se dit, bon, ben voilà, c'est des idées horribles et atroces, on s'en remet. Pour avoir traduit les écrits antisémites de Wagner, c'est un peu similaire, en fait, parce que, quoi que ça, je dirais que j'ai trouvé ça encore plus dur. Traduire les écrits antisémites de Wagner, j'ai trouvé ça extrêmement difficile, parce que quand on lit des sources, on n'est pas obligé de se les approprier. Tandis que quand on traduit, on est obligé vraiment de faire sien le contenu pour être capable de le rendre. Et là, je ne vous raconte pas la difficulté que c'est d'écrire des atrocités comme Wagner écrit sur les Juifs. C'est vraiment pas évident. Fermons la parenthèse. Donc oui, il y a une difficulté qui est morale, qui est énorme. Mais je ne veux pas parler pour toi, Cécile, mais pour moi, il y a une dimension de conviction politique derrière un projet comme celui-là. Travailler sur la récupération d'un grand compositeur par les nazis, c'est plus largement travailler sur la récupération de n'importe quel répertoire musical par n'importe quel régime politique. Et ça, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, c'est des choses qui arrivent tous les jours, y compris aujourd'hui. Ce qui fait qu'en travaillant sur des sujets comme celui-là et en mettant en lumière les mécanismes rhétoriques qu'il y a derrière, pour moi, il y a une façon derrière ça de contribuer à nous ouvrir les yeux tous collectivement sur comment la musique n'est pas simplement un art youp la vie, joyeux et innocent. Il y a tout à fait moyen de lui insuffler un message politique. Il faut rester éveillé à ça et il faut rester éveillé à comment ça se produit et par quel type de glissement sémantique pour éviter justement de devenir victime
de ce type de glissement sémantique-là appliqué à n'importe quel autre discours politique aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cécile. Oui, ben moi, je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi quelque chose de peut-être de particulier à l'objet musical qui est la pluralité de sens, de signification, cette ouverture qu'il y a, et peut-être en particulier dans certains répertoires, qui fait que c'est toujours en contexte aussi que ces significations surgissent et qu'il est toujours essentiel d'étudier les contextes de la musique, même s'ils sont odieux, parce qu'il y a cette nécessité de faire la lumière sur même les parties les plus sombres, les plus tragiques de notre histoire. Merci beaucoup à vous deux. C'est vraiment une question qui nous travaille et qui va continuer à le faire dans la mesure où on continuera à travailler sur ces questions. Mais alors, nous avons du temps pour les questions de la salle et je vois qu'il y en a plusieurs. Monsieur, madame, je ne sais pas comment on distribue la parole. Oui. Il m'a semblé entendre tout à l'heure que vous présentiez... ou que vous qualifiez la présentation de Mozart comme un Allemand au cours de cette manifestation comme une falsification historique. Or, il se trouve que ici même, dans une table ronde plus ancienne où vous n'étiez probablement pas, on nous a expliqué que Mozart était allemand. Pour une raison très simple, parce qu'à cette époque, la Bavière, Salzbourg faisait partie de la Bavière. Voilà. Et donc, je répète ce que j'ai appris ici. Cela dit, on peut évidemment gloser, mais c'est ce qu'on nous a expliqué, et on a même donné une anecdote où Mozart, avec sa mère à Paris, était allé à l'ambassade d'Allemagne ou de Bavière, etc. Et c'est l'occasion pour moi aussi de citer une phrase qui avait été prononcée ce soir-là, au cours de cette table ronde, fort intéressante, qui remonte à un certain temps. Mais j'ai oublié le nom de l'auteur, mais la voilà, c'était nous autres Autrichiens. Notre génie à nous autres Autrichiens, c'est d'avoir laissé croire que l'Allemand Mozart était autrichien et de nous être défaussés de l'Autrichien Hitler sur l'Allemagne. Merci beaucoup. Alors, j'ai peut-être laissé ma collègue Marie-Hélène répondre parce que c'est vraiment son domaine de spécialité. Mais je crois que ça faisait partie, effectivement, ce que vous décrivez, des arguments pour faire de Mozart un Allemand, mais je pense que ces arguments soulèvent des problèmes. Sont un peu compliqués. Ah oui, oui. En fait, la nationalité de Mozart est une question extrêmement complexe parce que dire qu'il était autrichien est tout aussi absurde que de dire qu'il était allemand. Ni l'Allemagne ni l'Autriche existaient en 1756 et 1791. Donc, il y avait... Salzbourg était une principauté qui, effectivement, appartenait au Saint-Empire romain germanique. L'Allemagne, comme telle, bon, c'était un espace culturel, mais ce n'était pas un État-nation. Ces deux États-nations n'existaient tout simplement pas à l'époque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut faire dire un peu n'importe quoi à l'état civil de Mozart. L'associer à la Bavière, ce n'est pas du tout absurde parce que son père venait d'Augsbourg, qui est en Bavière. Et donc, si on utilise une généalogie patrilinéaire, ce qui était évidemment le cas des nazis à l'époque, eh bien voilà, la famille Mozart vient d'Augsbourg et on peut retracer ses ancêtres en Bavière jusqu'au 12e siècle. Donc, plus allemand que ça, tu meurs, comme on dit chez nous. Cela dit, la famille de la mère de Mozart venait de Salzbourg, donc principauté qui appartenait à l'époque au Saint-Empire romain germanique. Par contre, à l'époque du Festival Mozart, en 1941, on associait Salzbourg plutôt à un certain Gau autrichien qui faisait partie du Reich. Donc, en fait, ce que les nazis ont fait pour présenter Mozart comme un Allemand parfait, ça a été d'une part de recourir à la généalogie, qui était effectivement bavaroise, donc associée au Reich, même si la Bavière ne faisait pas partie d'un État-nation nommé l'Allemagne à l'époque. Et d'autre part, aussi de présenter les ancêtres
de la famille maternelle de Mozart en la référant à la géographie telle qu'elle existait pendant le Reich et non pas en 1791. Donc, il y a une espèce de jeu entre l'exactitude historique de la généalogie et une géographie qui, en fait, est celle contemporaine du Reich. Il joue constamment sur les deux tableaux pour permettre de présenter uniquement les éléments qui font en sorte qu'on peut dire « oui, Mozart était allemand ». Par contre, on peut très bien prendre l'inverse de l'argument et dire « ben, en fait, non, Mozart était autrichien ». Encore aujourd'hui, on peut tout à fait argumenter dans les deux sens, la réponse à la question étant « il était en fait ni l'un ni l'autre ». Absolument. J'ajouterais juste une remarque, c'est que d'un certain point de vue, là, c'est moi qui parle, il valait mieux que Mozart soit allemand parce que je dirais personnellement que l'œuvre de Mozart n'est pas spécialement en résonance avec le nazisme, l'hitlérisme, ça me paraît assez loin, contrairement à Wagner qui a été utilisé. Pardon. Oui, je dirais Mozart allemand, ça faisait une bonne raison de faire tout ça autour de lui, parce que l'œuvre de Mozart, elle est loin, de mon point de vue, elle est très loin de l'idéologie nazie et de l'état d'esprit de l'hitlérisme en général. Absolument, et c'était un des défis justement pour les nazis de récupérer Mozart à leur avantage. Et donc, le présenter comme un compositeur allemand, c'était incontournable. Ils ne pouvaient pas dire c'est un compositeur salzbourgeois ou c'est un compositeur viennois. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les célébrations Mozart de 10 ans plus tôt, en 1931, en fait, là, on le présente comme un salzbourgeois, non seulement comme un autrichien, mais spécifiquement comme un salzbourgeois. Et là, en 1931-1941, il y a un changement total de perspective où, en 1941, on le présente comme un Allemand du Grand Reich. C'est pas du tout la même façon de le présenter. Et c'était essentiel. On pouvait pas transformer Mozart en outil de propagande nazie sans le présenter d'abord comme un Allemand. C'était la première étape, en fait, à remplir. C'est autre chose. Oui, moi, j'avais une question. Vous avez dit qu'il y a eu ce musée Mozart qui a été créé à Vienne par les nazis. Maison Mozart. Et alors, en fait, c'était quoi? C'était un endroit où Mozart avait résidé ou qu'ils ont transformé en musée et qui existe encore? Absolument. C'est un des appartements où Mozart a vécu, juste derrière le Stephansdom. Donc, c'est 3 ou 4 pièces où il a vécu avec sa famille. Et encore maintenant, ça faisait partie de notre travail de terrain. On est allé visiter ce musée à Vienne il y a quelques années. Et en fait, on trouve dans la presse des photos. Je pense que je n'en ai pas inclus dans cette présentation-là. Mais on voit des photos, notamment de Goebbels en train de visiter le musée Mozart et de faire semblant de jouer de l'épinette sur l'épinette du musée Mozart, qui a été inaugurée par Baldur von Schirach dans les premiers jours du festival. Ah bon, mais quand il a été... Qu'est-ce qu'il y avait avant que les nazis l'ouvrent? C'était un appartement privé ou... Exactement. C'est un appartement privé qui a été visiblement réquisitionné pour être transformé en lieu de mémoire. Une autre question rapide, je suis sans doute assez inculte, mais quand vous avez parlé de Delannoy, vous avez dit qu'il faisait partie du groupe des 6 musiciens. Le groupe des 6, alors c'est un groupe qu'on a, comment dire, qui a surtout une histoire, qui a une histoire très courte et qui a surtout été mise en groupe, assemblée par un critique musical qui s'appelle Henri Collet. Donc, juste au sortir de la Première Guerre mondiale, et c'est un groupe qui rassemble quelques musiciens célèbres et d'autres moins, français, tous mus par un désir de rompre avec le romantisme et de faire une musique de tous les jours, de faire une musique accessible, d'en finir avec le debussisme et le romantisme. Et donc, c'est des musiciens comme Poulenc, Honegger, Millau, voilà, Taillefer, alors vous allez m'aider, Auric et Duré, qui est un petit peu plus âgé, Louis Duré, et un peu moins connu. Et donc après, c'est une étiquette en fait qu'on a collée à ce groupe qui a juste fait une ou deux œuvres communes et puis qui était un groupe d'amis aussi. Et ils étaient surtout très liés par les mêmes idées, mais ils ont écrit de la musique très différente. Et aussi, Satie a joué un rôle très important dans l'éclosion de ce groupe en fait, au sortir de la Première Guerre. Oui, oui, Millau. Oui, oui.
Oui, je voudrais juste demander, est-ce que dans la première moitié du XXe siècle, il y avait déjà des festivals comme aujourd'hui, comme outil de politique culturelle des pays, ou est-ce que c'était une invention des nazis là, de faire ce spectacle à Vienne? Non, ce n'est pas du tout une invention des nazis. Et célébrer les grands compositeurs, c'est vraiment quelque chose de très, très fréquent. Précisément, Esteban il a travaillé sur l'histoire de la 9e de Beethoven et toutes les utilisations qu'on en a faites, y compris dans des commémorations avant le 20e siècle aussi. Enfin, excuse-moi, je te... Oui. J'inverse un petit peu les mots. Oui, en effet, c'est d'ailleurs la forme festival qui est l'une des premières... des formes, je redis le mot. Mais enfin, quelque chose de ce que les nazis organisent en 1941 à Vienne a à voir avec ce qui se passe à Bonn en 1845. Donc on est vraiment au milieu du 19e siècle pour les fêtes de Beethoven à l'occasion de l'érection de la statue de Beethoven qui est encore sur la place de Bonn, si vous allez là-bas, la statue sur la place centrale. Elle a été inaugurée en 1845 par un festival qui, à bien des égards, ressemble à ce que Marie-Hélène et Cécile ont exploré en 1941 à Vienne. Et il y a des précédents avant 1845. Et plus on avance dans le 19e siècle, et plus le rituel des commémorations se stabilise sous forme de festival, en effet. Et bon, il se trouve en effet que après, dans l'histoire de Beethoven, il y a un moment très important, le centenaire de sa mort en 1927, qui est un grand événement dont l'un des foyers, bien sûr, c'est Vienne là aussi, même s'il y a des commémorations un peu partout en Europe, il y a une fête importante à Bonn, naturellement, sa ville natale, mais surtout à Vienne. Et donc, voilà, quand on en vient à l'époque des nazis, c'est quelque chose dont la tradition est bien installée. Et ça, c'est l'une des dimensions... disons conservatrice, supplémentaire de l'affaire, à ceci près qu'à chaque fois, et ça allait dans le sens de ma question sur la modernité de ces événements, il y a l'envie que la forme traditionnelle prenne consistance avec quelque chose de nouveau. Et en 1845, c'est précisément l'idée de faire cette grande statue qui était quelque chose qui, jusqu'alors, était réservé au roi et aux personnages dynastiques et pas un compositeur ou un héros de la culture, disons, de manière générale. Donc, la réponse est que tout ça vient après un know-how, disons, d'à peu près un siècle et demi. Une petite question sur... Vous avez parlé beaucoup sur les participants français. Je voulais savoir qui étaient les autres participants. J'ai vu que les notes de Figaro, les Hochzeit des Figaro, a été dirigée par Karl Böhm. Quelle était sa relation avec le nazisme? Il me semble qu'il avait quelques difficultés après la guerre. Qui étaient les chefs d'orchestre, par exemple? Oui, c'est une excellente question. Est-ce que tu Sur Böhm, je ne sais pas, mais il y avait beaucoup Furtwängler, qui était omniprésent, qui a dirigé notamment le Requiem du 5 décembre, le grand Requiem monumental du dernier jour, et des opéras aussi. Et pour les interprètes, après, les autres chefs invités, je n'ai plus en tête. Il y avait, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le festival Mozart était séparé en deux programmes. Il y avait le programme du Reich, qui était le grand programme d'apparat pour les invités internationaux, et le programme viennois, qui est un programme plus local, et les interprètes sont complètement différents. Dans le programme viennois, c'était beaucoup des chefs locaux qui, de toute façon, auraient dirigé ces semaines-là, ces jours-là, dans certains théâtres, au Volkstheater notamment, et donc qui dirigeait des opéras et des représentations comme ça de musique pour orchestre. Et à côté, donc, dans le Reich programme, le programme du Reich, c'est là qu'on a tous les grands chefs d'orchestre, Böhm, Krauss, Karajan n'était pas là, mais Knappertsbusch, Furtwängler. Oui, c'est ça. Donc, plusieurs, effectivement, ont eu des difficultés après la guerre. De façon générale, les musiciens s'en sont relativement bien sortis après la guerre, les musicologues aussi.
Certains des musicologues, notamment qui étaient les plus vocaux pendant ces années-là, à écrire des trucs extrêmement nazis sur Mozart, ont continué leur carrière sans le moindre problème, sans la moindre préoccupation. Il y a même un auteur, Alfred Aurel, qui a écrit un bouquin qui s'appelait « Le chemin allemand de Mozart », qui voulait republier le même bouquin après la guerre en changeant le titre. Il était très, très, très surpris que sa maison d'édition lui dise « pas sûr que ce soit une très bonne idée ». Donc, ça ne s'est pas fait. Pour les musiciens, ça a été un peu la même chose. Ils ont poursuivi leur carrière sans être très, très inquiétés. Dans certains cas, quand même, les tournées aux États-Unis étaient un peu plus houleuses. Mais sinon, il n'y a pas eu des conséquences très, très majeures. Je voudrais encore demander, est-ce que pendant ce festival ou aussi ailleurs pour les concerts, il y avait une sorte de pression esthétique sur les musiciens, comme pour l'idéologie soviétique où il y avait une pression très forte pour les compositeurs notamment. Est-ce qu'il y avait une telle pression sur l'esthétique de l'interprétation ou de composition au niveau des nazis, ou c'était plutôt libre? Et au niveau de la critique, peut-être, est-ce que vous savez quelque chose? Oui, c'est une excellente question. En fait, sur ordre de Goebbels, le terme de critique musicale est plus ou moins disparu pendant la guerre pour être remplacé par ce qu'il appelait la musique Betrachtung, l'observation musicale. Et donc, l'idée était de ne pas justement être trop critique, mais simplement de décrire ce qui se passait. Donc, cette idée de critique dont on lime les dents est très, très importante dans ce contexte de propagande. Cela dit, le régime nazi était quand même moins prescriptif aux artistes que l'était le régime soviétique, mais les créateurs contemporains avaient quand même un cadre à l'intérieur duquel ils devaient évoluer. Évidemment, dans le cas de Mozart, ça ne le concernait pas vu qu'il était déjà un peu mort rendu là. Donc, son œuvre n'a pas été transformée. J'ai trouvé aucune source côté allemand concernant des instructions données aux interprètes. La seule chose vraiment prescriptive que j'ai trouvée, c'est justement les lettres envoyées par le ministère de la Propagande aux maisons d'opéra en leur disant « Voilà, pour tel opéra, il faut utiliser telle traduction à partir de maintenant et rien d'autre. » Donc, ça, c'est vraiment une prescription très nette, contre laquelle les maisons d'opéra, d'ailleurs, ont beaucoup protesté parce que certaines de ces traductions-là, les chanteurs ne les aimaient pas et les metteurs en scène non plus. Mais ça a été imposé quand même. Mais outre cette prescription-là, je n'ai rien trouvé de particulier concernant qu'est-ce que les interprètes devaient faire. Je ne sais pas si tu avais trouvé des trucs. Non, et je pense qu'effectivement, il s'agissait simplement de montrer ce que faisaient les meilleurs instrumentistes de la tradition d'exécution allemande, de l'école allemande. Et donc, je pense qu'il n'y avait pas de consigne particulière, l'idée étant que les musiciens jouaient comme d'habitude. En revanche, il y a quelque chose d'intéressant du point de vue de l'exécution et même de la réinterprétation d'une œuvre de Mozart et qui est assez significatif, dont on n'a pas parlé, c'est que pour la représentation d'Idomeneo de Mozart, la version qui a été donnée lors du Festival Mozart est une version adaptée par Richard Strauss. Et Richard Strauss est une personnalité aussi importante du festival, même si il agit surtout à deux occasions, précisément ce soir-là où il dirige sa propre version de l'Idomeneo de Mozart, et aussi parce qu'il invite les compositeurs et critiques français, la délégation française, à venir prendre un petit thé dans sa maison. Et donc, il y a comme ça un côté aussi traitement de faveur avec les Français, encore une fois. Mais là, je m'égare un petit peu. Par contre, pour rester sur l'Idomeneo, ce qui est clair, c'est que ça ne ressemble plus à du Mozart parce que c'est tout réorchestré, aménagé par Strauss, qui a en plus rajouté des interludes. Et donc là, on parlait de modernité tout à l'heure. Effectivement, même si Strauss appartient... est plus très jeune et fait partie d'une tradition déjà ancienne, on est aussi dans une réinterprétation de la musique de Mozart et une mise au goût du jour aussi dans l'esthétique post-romantique de Strauss. Oui, j'ai encore une dernière question. Donc vous avez dit que Delannoy a été accusé de collaboration. Et dans les autres musiciens du groupe des six dont il faisait partie, est-ce qu'il y en a eu d'autres qui ont été aussi soupçonnés ou ils n'étaient pas du tout impliqués de la même façon?
Alors, dans le groupe des six, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une génération qui est assez, qui est un peu en première ligne, précisément parce qu'ils ont plus ou moins 40 ans, hein, 40. Donc, ils sont un peu voilà, en plein dans leur carrière et ils prennent des positions contrastées. Poulenc va, par exemple... donc, parmi les six, il n'y a que Honegger qui fait le voyage à Vienne. Et Poulenc, par exemple, va prendre une position vraiment de refus de collaboration. Il va faire des concerts, principalement tout seul, avec un chanteur pour accompagner ses propres mélodies. Il va éviter tout contact avec les Allemands et surtout il va mettre en musique des poésies d'Éluard et d'Aragon qui traduisent vraiment une forme d'engagement dans le domaine de la composition. Même s'il n'a pas appris les arts, même si on ne peut pas dire qu'il a été résistant, il y a une forme de résistance dans la musique de Poulenc, dans celle de Duré aussi, dans celle d'Auric aussi, qui sont Duré, Auric, compagnons de route du Parti communiste et même pour Duré, il fait vraiment partie donc, du PC. Et aussi, les autres, il n'y a pas, c'est moins... Alors, Honegger, c'est plus compliqué. Honegger est suisse, et donc il n'a pas été inquiété après la guerre en raison de ce voyage. Il y a d'autres choses qu'on a pu lui reprocher. Et ce qui est particulier, c'est qu'Honegger, il vit une période de grand, grand succès. On fête son cinquantenaire, il est un peu plus âgé que les autres, on fête ses 50 ans en 1942. Il y a un grand festival Honegger, donc là, cette fois, ce n'est pas le principe du compositeur mort depuis longtemps qu'on commémore, c'est le compositeur vivant. Mais le fait qu'il soit suisse a un petit peu neutralisé les choses à la libération et a fait en sorte qu'il n'est pas passé par un comité d'épuration. En revanche, il y a une forme d'épuration un peu, qui s'est faite de facto, parce qu'il n'a pas été joué pendant au moins 6 mois, alors que c'était le plus joué des compositeurs de France, vivant en France à cette époque. Alors, il n'a pas pris beaucoup de risques parce qu'il a composé un petit peu dans son coin, dans des récitals. Il a pu jouer effectivement une mélodie sur un poème d'Aragon, patriote. Et il a édité, mais ce n'est pas quelqu'un qui a pris des risques. Donc, il n'a pas fait de la résistance armée, il n'a pas fait de renseignement, pas du tout. Il n'était pas dans les cercles de résistants, mais le fait qu'il ait collaboré avant avec Éluard lui a permis de continuer sur le même chemin. Et puis c'était un républicain et il était foncièrement contre l'occupation. Donc il a trouvé cette voie. Qui constitue une forme d'engagement, mais à l'intérieur même, je pense, on pourrait dire, du métier de compositeur, un petit peu dans son monde aussi à lui, puisqu'il était entre Paris et sa résidence secondaire, un peu en dehors de la lutte, on va dire, dans une lutte plutôt symbolique et artistique. Bien, je crois que c'est le moment de dire qu'on va passer à autre chose. Donc, je ne sais pas si c'est à moi de dire le mot de la fin, mais en tout cas, je voulais féliciter Marie-Hélène et Cécile pour ce très beau livre et vous remercier encore pour votre présence, pour votre participation avec vos commentaires et vos questions. Et ma foi, merci encore à la Maison de l'Allemagne de nous avoir invités. Merci.